Tu as dit que le confinement avait eu un bon côté, c'est qu'on s'est rendu compte finalement de l'importance du sport et du football. Moi, je trouve qu'on a mis le doigt sur totalement l'inverse. Je vais t'expliquer. C'est qu'on n'a rien fait comme les autres en Europe et que je me suis rendu compte que finalement le sport en France, eh ben, n'avait pas autant d'importance qu'on voulait bien nous le faire entendre. Donc, je suis un peu en désaccord avec ça. Alors, je me souviens plus de la phrase exacte, mais sur le constat que tu fais là, je peux être que d'accord avec toi, Bernard. C'est le côté négatif, c'est ce qui est un petit peu navrant. C'est même un peu décevant quand on est amoureux de sport comme nous, c'est de faire le constat qu'à un moment, effectivement, le sport est moins une institution, moins certains diront même une religion que d'autres pays. Donc ça, c'est le constat qu'on est obligé de faire. Après, ça, je le disais dans le sens où on se rend compte à quel point on aime le sport en direct et que ça nous a manqué pendant cette période-là, quoi. Mais sur ton constat, oui, malheureusement, aujourd'hui, avec du recul, on est obligé de le faire. C'est le poids du sport en France n'est pas celui qui mériterait d'être.